sonate de Vitilius, c'est que il ne voulait pas qu'on la joue, la sonate pour piano. Il a toujours refusé. Enfin, il ne pouvait pas se rendre compte la joue parce qu'elle était très proche des origines de Ravel, évidemment. Mais ça n'empêche pas que c'est un chef-d'œuvre pour autant. Et donc, moi, je suis reparti de ses harmonies à lui, d'une certaine manière. J'ai un peu pris ses couleurs harmoniques, parce que là, il faut vraiment parler de couleurs. L'impressionnisme, ça n'existe pas en musique. Nous, on n'a pas l'impression soleil-levant comme base. Mais d'une certaine manière, beaucoup de compositeurs se sont rattachés.